des pères de la communauté qui a fait cette fresque. Elle servait, oui, le premier plan et semble complètement nu parce que elle servait de fond pour décorer la crèche que les enfants faisaient à Noël. Mais elle présente une vue d'ensemble du village que sans doute je ne pourrais pas vous montrer autrement. Avec ici, vous voyez le sanctuaire de Saint-Joseph où nous sommes. Juste à côté, vous avez le clocher de l'église Saint-Maurice, l'église paroissiale. Et tout en haut, ici, là, vous avez le château. Donc le château qui est toujours en ruine, il ne reste plus que la tour, elle est écroulée. Parce qu'à la suite des guerres de religion, ils n'ont pas voulu le restaurer. La plupart des maisons, évidemment, comme ça se fait un peu partout, la plupart des maisons du village ont été construites avec les pierres récupérées sur les ruines du château. Donc, vous voyez un tout petit village blotti contre la colline et le sanctuaire donc, qui était la maison familiale de la famille de la Tour du Pin qui est en bas et surplombe le paysage de la vallée. Le projet de cette maison est une maison d'éducation, c'est-à-dire c'était une école de missionnaires, des enfants qui rentraient à l'âge de 12 ans dans cette école, dans le but de se former pour partir en mission, annoncer l'évangile dans le monde entier. Préparez-moi à annoncer l'évangile, je veux partir à l'autre bout du monde, je sais ce que je vais faire de ma vie, je serai un prédicateur de l'évangile. C'est un autre temps, c'est une autre époque. Donc finalement, la dévotion à Saint-Joseph n'est pas première dans ce lieu. Si j'ai bien compris l'histoire, c'est l'archiconfrérie de Saint-Joseph et l'ensemble de tous ceux qui ont décidé de financer l'expansion des bâtiments, leur transformation en un séminaire avec ses dépendances, dortoirs, réfectoires, etc., de manière à organiser la formation des petits missionnaires. Et donc évidemment, ils l'ont confié à Saint-Joseph. Quel autre éducateur pouvait être recommandable comme Saint-Joseph pour s'occuper de ses enfants? Donc ici vous voyez la maison familiale où est la statue de Saint-Joseph devant laquelle nous étions. Et vous voyez le balcon qui borde le premier étage qui était le lieu d'habitation pour les maîtres de la maison. Donc les salles nobles qui sont devenues, dans un projet scolaire, les salles de classe évidemment. Et ensuite, le bâtiment s'est prolongé et on voit qu'il y a une galerie qui a été mise. Alors, on peut les soupçonner d'avoir un peu copié Assise aussi, enfin disons de s'être inspiré de ce qui se fait à Assise. Une grande galerie voûtée qui relie le premier étage du bâtiment historique, du bâtiment initial, du château, à la maison du sanctuaire, qui elle, est aussi au premier étage, pour garder le même esprit. Et donc en dessous de l'église, de la chapelle du sanctuaire, se trouvent les salles communes avec le réfectoire de l'école, des salles de réunion pour les groupes qui viennent, etc. Et l'église donc n'est que la partie supérieure à l'étage. Cette statue de Saint-Joseph qui est derrière moi est la statue historique de Saint-Joseph d'Alex. Elle date du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui elle est dehors, devant la maison, elle n'est plus dans le sanctuaire. Parce qu'à l'époque où la communauté, devant le développement du centre, a voulu faire couronner la statue de Saint-Joseph. Les liturgistes de l'époque leur ont dit que c'était impossible parce que l'enfant Jésus est devant Saint-Joseph, debout, devant lui. Or, pour qu'il y ait une statue de couronnement, eh bien, il faut que l'enfant Jésus soit dans les bras de Saint-Joseph. Donc c'était une décision un peu difficile à prendre, mais ils tenaient tellement à leur statue couronnée eh bien, qu'ils ont préféré renoncer à leur statue. Elle est ici dehors maintenant, devant le bâtiment central, l'ancienne maison familiale, et en faire une autre, celle qui est donc dans le sanctuaire et qui a été couronnée d'une couronne royale. Donc vous voyez ici la statue de Saint-Joseph qui est couronnée. Remarquez la différence entre la couronne de Jésus et celle de Joseph. Celle de Joseph est une couronne royale et celle de Jésus est une couronne impériale. Alors évidemment, ce sont des vraies couronnes qui ont été faites par des orfèvres et qui ont été mises en place par l'évêque à l'époque, donc au début du XXe.
ces grandes orgues magnifiques. Il y a plus de 20 jeux, c'est un orgue incroyable. Toutes les pièces sont d'origine. Et au-dessus, la rosace du sanctuaire qui représente la spiritualité des spiritains. Donc, vous voyez au centre le Saint-Esprit, la colombe blanche, et de part et d'autre, deux fleurs de lys qui représentent Marie et Joseph. Et vous voyez que le Saint-Esprit descend sur un cœur, mais c'est un cœur nu. C'est pas un cœur comme on représente avec l'épée, par exemple, pour le cœur de Marie, ou avec la couronne pour le cœur de Joseph. Ce cœur nu, eh bien, ça représente l'humanité. Donc, c'est l'Esprit-Saint qui descend dans l'humanité, c'est à la fois le mystère lui-même de l'incarnation et surtout ses conséquences de la vie baptismale. Et donc de cette rencontre naît une explosion de couleurs qui va jusqu'à la gloire, représentée par le cercle jaune tout à l'extérieur, et qui montre le lien intime entre l'Église de la terre et l'Église du ciel, et la place de Marie et Joseph au cœur de la déflagration. C'est à partir de et entre eux que le mystère de la vie de l'Église se joue, naît et se répand. Alors ici, on est dans l'entrée. Alors ça, c'est bizarre ce truc. Apparemment, c'est une sculpture qui s'appelle le Buisson Ardent. Mais je ne suis pas digne d'entrer dans le mystère du Buisson Ardent.